Hey WhatsApp, ça coûte bien que tout se passe bien, que tu aies les choses bien. Aujourd'hui, vidéo FAQ. FAQ spéciale 20 000 abonnés. Donc, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, à la force, soutien aux commentaires. C'est important pour l'évolution de la chaîne. Contrairement à la première FAQ, j'ai pas eu énormément de questions, mais ça va me permettre de développer mes réponses. Et ça, c'est important. Première question, je prends celle d'Arilis qui demande où j'ai déménagé. Donc, je suis actuellement à Saint-Étienne. Je suis bien, je suis tranquille. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, bah pour la tranquillité, pour être mieux, pour avoir plus de temps pour faire des choses, des activités, aussi profiter de l'air, profiter de la nature, c'est important parce que j'étais à Paris avant, Paris c'est très compliqué. Même si que j'y retournerai pour travailler, faire quelques projets vidéo et tout, c'est compliqué, t'as le temps de rien faire, t'as du stress, t'as de la pression. À Saint-Étienne, bah là je suis mieux. Deuxième question, celle de Samuel Espel 3491, je suis désolé si j'écorche un peu les blazes. As-tu des idées de projets collaboratifs avec d'autres créateurs de contenu? Sinon, t'es le boss, tu es le meilleur. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Alors, les projets avec d'autres créateurs, franchement, j'ai envie d'en faire. J'ai envie d'en faire, mais sur Paris, c'est dur. Parce qu'en fait, les créateurs, pour la plupart, pour les contacter, c'est très compliqué pour faire quelque chose de cool ensemble. Parce que la plupart que je connais, tu vois, ça va rechercher les performances, ça va rechercher des gens très connus. Des gens au même niveau ou en dessous, c'est compliqué. Mais là, je pense que là où je suis, à Saint-Étienne, c'est différent. Je pense que les mentalités sont différentes que Paris. Donc, peut-être qu'il y a de quoi faire. Sachant que moi, je suis dans une période où, là, je viens d'emménager. J'ai quelques projets vidéo. Bon, je te parle un peu, tu vois. Ces projets-là, j'ai filmé l'équipe des Wallabies en rugby, qui font la Coupe du Monde. Avec le barbershop où je vais là, tu vois. En fait, j'ai trouvé un barbeur, on a parlé vidéo et il m'a présenté deux, trois projets. J'ai filmé aussi, enfin, je vais filmer peut-être demain les All Blacks. On va voir. Donc, peut-être faire des vidéos avec eux ou je sais pas, en mode vlog, immersion et tout. Mais pour les créateurs, on verra. Faut que j'en trouve en fait, faut que j'en trouve. Et je trouve ça meilleur de faire des vidéos avec des gens qui font du sport, qui partagent la même passion que moi, que ce soit sur Lyon ou Saint-Etienne, que d'autres créateurs. Parce que les créateurs, si tu en es trop dans la rentabilité, trop dans la performance, trop dans le lui, je ne lui, il va rien m'apporter, on est trop dans l'échange d'abonnés, tu vois. Et c'est compliqué. Mais j'ai envie. Donc s'il y a un créateur même qui me regarde là et qui me dit ouais, dame, je suis chaud, ou alors quelqu'un qui est entre Lyon et Saint-Etienne et qui veut faire des vidéos, du sport, des trucs, je suis là. Question suivante, celle de John 1125. Les chiffres, j'aime bien les dire comme ça avec la sécurité, malheureusement. J'aime bien 1125 et c'est plus rapide que 1125. Alors, sa question, c'est comment s'entraîner efficacement à la maison sans matériel lorsqu'on a déjà un bon niveau de muscu? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Parce que quand tu as un bon niveau de muscu, de base, s'entraîner sans matériel, c'est dur. C'est dur parce que, mis à part conserver ce que tu as, ça va être très compliqué de prendre de la masse. D'accord? Et tout dépend la vision que tu as de l'entraînement. Enfin, bien s'entraîner. Est-ce que tu parles de bien s'entraîner tout en prenant de la masse? Est-ce que tu parles de évoluer? Voilà, il y a plein de choses. Si on parle d'évolution, dans le sens où là, tu t'entraînes sans matériel, tu as un bon niveau, tu vas évoluer sans matériel, pour moi, c'est pas possible. C'est mort. Même si tu as des poignées pour les pompes et tout, c'est mort. Pompes, abdos, c'est mort. Malheureusement, c'est mort. Il faut de la charge. Minimum des haltères. Avec des haltères, tu peux très bien évoluer. Sans matériel, tu peux pas. Surtout si tu as un bon niveau en muscu. Et j'ai envie de te dire, si de base, tu as un bon niveau en muscu, moi, pour moi, hein, un bon niveau en muscu, c'est que tu vas à la salle ou tu t'entraînes avec du matériel. Mais si t'as ce bon niveau-là et que du jour au lendemain, tu claques dehors, t'as plus de matériel, t'as plus rien, mis à part conserver ce que t'as, ça va être dur. Même, j'ai envie de te dire, tu vas perdre un peu de masse musculaire si d'un coup, t'arrêtes de prendre les poids. Donc, pour moi, c'est pas possible, clairement. Question suivante, celle de Nicolas NWO. Je sais pas si on dit Nicolas Wo ou je sais pas, malheureusement. Mais il m'a posé une question intéressante. Que penses-tu de la méthode 10x10? La méthode 10x10, c'est la méthode qui m'a fait rentrer dans la musculation. C'est la méthode qui m'a fait avoir des bras, concrètement. La méthode 10x10,
Ces méthodes de tu prends une machine, un exercice, tu fais 10 séries de 10 répétitions. Ok? Parfois 1 minute 30 de repos, parfois 2 minutes de repos, mais 10 fois 10. Pour moi, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode dans le sens où si tu as un exercice auquel tu as des sensations, pour ma part, le curl biceps barre Z, ça c'est l'exercice biceps où j'avais le plus de sensations. Donc ça, je l'ai martelé en 10 x 10 et les résultats, je les ai vus. Tu vois, c'est une très bonne méthode. Quand tu commences la musculation, quand tu construis ton muscle, c'est une bonne méthode, vraiment. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand tu commences à avoir une bonne masse musculaire et que tu fais des programmes, on va dire, beaucoup plus précis comme les splits et les PPL où il y a beaucoup d'exos, faire un 10 x 10, là ça va être compliqué parce que ça va te fatiguer. Ça va être intéressant, mais ça va te fatiguer. Pour un point faible, pour toi c'est bien, mais pour la suite de ta séance, ça va te fatiguer parce que les 10 x 10, c'est usant et c'est fatigant, sachant que tu peux pas mettre très lourd. Si tu fais 4 séries de 10 et tout, oui. Mais 10 x 10, tu vas diminuer tes charges et ça, ben, ça peut te ralentir pour ta croissance musculaire. Donc, pour moi, c'est intéressant. Clairement, c'est intéressant et c'est une méthode que je vais refaire. Peut-être pour les pecs, parce que les pecs, là, j'ai vraiment envie d'avoir des pecs de fou. Si c'est dur génétiquement, mais on va essayer. Mais voilà, faut vraiment bien le placer. Vraiment. Question suivante, celle de Nocturne Space qui me dit, as-tu des projets pour ta chaîne YouTube lors de l'année 2024? Alors 2024, tu vois, c'est loin. C'est loin. C'est dans quelques mois, mais c'est loin parce que j'ai plein de choses à faire avant. Je pense que je te dirai ça plus en janvier. Mais pour l'instant, 2023, c'est pas fini. 2023, là, on va faire beaucoup plus de projets. On va parler en facecam. Je vais te parler du métier d'agent de sécurité en profondeur parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ça. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce métier-là et je suis vraiment content. Et faire beaucoup de story time aussi, de montrer mes séances de sport, mon évolution aussi au football américain parce que je me suis inscrit au football américain là. D'ailleurs, je fais mon premier entraînement, c'est super, c'est bien. Mais à Saint-Étienne, c'est fou. En fait, comme là-bas, ils sont pas balèzes, moi. On m'a mis dans la ligne des D-line, si tu veux. Au foot US, si je connais pas un peu les postes, tu vois les plus gros joueurs qui bloquent, et ben moi on m'a mis dedans. Déjà là-bas, on me dit que je suis un mec chargé là-bas. Les gens me disent, ouais, toi t'es chargé, ça m'a fait rire. Et on me met en D-line. Alors que de base, je suis un running back, ou un receveur, ou mais pas un D-line. Donc, j'ai rien dit, vas-y, on va aller là-bas, on va s'inscrire tranquillement, payer la licence. Mais je ne serai pas D-line. Je suis quelqu'un qui court avec le ballon, qui reçoit le ballon et qui marque. Je ne suis pas un bloqueur. Ok? Donc, voilà pour le foot US. On va faire des entraînements de foot US. Je vais te montrer un peu ce que, enfin, comment je m'entraîne, comment je prévois de ne pas me blesser, comment je fais les choses bien à ce niveau-là. Essayer de faire des feats, essayer de faire des immersions, des trucs. Et pour 2024, ben, je te dirai ça en janvier. Dernière question, celle de Marc-Antoine 5642, qui me demande comment travailler les pecs, même avec des charges trop légères. Parce que les poids, ça prend de la place. Alors, Marc-Antoine, merci pour ta question. Parce que je pense que ça, c'est une question qui va concerner beaucoup de personnes qui s'entraînent à la maison avec des haltères légers, les kits haltères et tout. Le problème, c'est que j'ai fait plein de méthodes. Dans mes programmes que tu vois, j'ai fait plein de séances pec. Il y a de la double contraction, il y a du travail sous tension en négatif, il y a du travail en unilatéral. Il y a beaucoup de choses. Il y a des 10 reps mélangés et tout. C'est bien, on a beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que quand ton corps est habitué à faire tout ça, à faire toutes ces méthodes, tu prends la force. Tu vois, ça devient de plus en plus facile. Donc, si tu veux réellement progresser et évoluer, au bout d'un moment, tu seras obligé de monter les poids. Au bout d'un moment, parce que quand un exercice commence à être trop facile pour toi, c'est qu'il faut monter les poids, concrètement. Et sur les pecs, ça va prendre du temps, mais c'est ce qui va arriver.
Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que au lieu de faire 4 fois 10 répétitions dans un exercice que je fais, tu vas te dire, mais c'est facile, ce que Dame me demande de faire, c'est facile. Donc je vais faire 20 reps, après je vais faire 30 reps, après je vais faire 40 reps. Mais à partir de là, ton évolution, elle sera plus visible. Tu vas travailler plus en endurance musculaire qu'en esthétisme pur. À part si c'est ce que tu veux. Si ce que tu veux, c'est être endurant, être bien, être tracé, mais pas avoir un bon volume, eh ben oui, ça peut être bien quand tu es comme ça, monte les reps. Mais sinon, eh ben tu as monté les poids. Même si que ça prend de la place, je te comprends, c'est pas grave. Hey, tu prends un coin dans la chambre, tu les empiles, tu fais une tour. Ok? Tu fais une tour, tu fais ce qu'il faut faire. Après, je sais que c'est cher aussi, mais pour la place, mets ça dans un coin, fais une tour et bosse. Parce que c'est important. Donc voilà au niveau de toutes les questions que j'ai eues. Au niveau de moi, bah, comme je l'ai dit dans les premières questions, bah, moi tout se passe bien. Hein. Je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité grâce à mon barbier de filmer les Wallabies en train de se faire couper les cheveux, la barbe. Peut-être demain les All Blacks, à voir si je filmerai leur entraînement ou un truc. Plus ils se coupent, on verra, mais ça peut être intéressant. Et puis voilà, pour moi, ça fait une petite expérience en plus, même si que, voilà, filmer du sport, filmer des barbers, j'ai déjà fait plein de fois. C'est juste pour la forme, juste pour me dire, hey, j'ai filmé les All Blacks. Même si que je suis pas trop fan d'eux et pas fan de rugby en général, ça peut être intéressant. En tout cas, on va continuer comme ça, on va faire les choses bien. Là, je me suis entraîné à Basic Fit, ça fait une semaine. J'ai pu faire quelques vidéos là-bas. Franchement, on me laisse avec ma caméra, on me laisse faire mes trucs. Je dérange personne. Normalement, les gens, ils sont plus ou moins cool là-bas. Même si la salle n'est pas ouf. Donc, il y aura quelques vidéos programmes à Basic Fit. Tous les programmes que on fait ensemble seront sur ma chaîne secondaire, Dams Jordan Training. Désormais, les nouveaux. Les anciens, ils resteront ici. Et puis, voilà, on va continuer à avancer. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer la vidéo, si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, le code d'âme sur MyProtein, c'est important. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.